Et salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Yooka-Laylee. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on a un programme chargé puisque je voudrais retourner dans le monde de la neige pour essayer d'avoir au moins la transformation puisqu'on avait récupéré la molécule la dernière fois. Et ensuite on essaiera d'aller dans un nouveau monde, voilà. On va pas faire le niveau à 100%, j'ai envie de découvrir un petit peu des endroits, des zones. On retourne tout de suite dans le niveau de la glace. Bien, bonjour madame, une molécule pour vous. Oh, mais j'ai justement apporté les dernières retouches au rayon ADN et il est fin prêt pour le grand transfert. Je sais pas parler. Nous pourrons donner une bonne leçon au docteur Quack et à son nouveau boss. Pour cette prochaine transformation, vous devrez m'apporter la molécule de ce monde. Magnifique! Si vous êtes prêt pour commencer la transformation, approchez-vous du rayon ADN et appuyez sur A. Ne bougez pas, ça risque de piquer. Allez, let's go! Transforme-moi. J'ai très peur. En quoi est-ce qu'on va être transformé? Oui, je suis prêt. Vas-y. Et... suspense. What the fuck, man? Extraordinaire, un chasse-neige, je ne m'y attendais pas. Pour accélérer, utilisez L et X pour booster. What? Et ça vous dérangerait pas de dégager mon allée? What the fuck? Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On s'est fait transformer en chasse-neige, mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh mon dieu, et qu'est-ce que je peux faire en étant comme ça? Je peux pas sauter très haut. Je pourrais jamais aller dans des endroits comme ça. Ah si. MDR. Non mais, hop 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 hop. C'est assez galère à piloter, hein, honnêtement. Est-ce que je peux aller dans le haut ou ça annule tout? Non, ça c'était sûr. Bon, va falloir qu'on trouve ce qu'on peut faire avec ça. Alors, est-ce que je peux... peut-être, hein, je ne sais pas. Est-ce que je peux dégager ça? Oui. Oh, c'est horrible. Au secours, je vais me casser la gueule. Je vais me... Stop. Je veux dégager tout ça. J'ai dégagé ton allée, là, non? Je sais pas, j'ai enlevé les bonhommes de neige. Ça suffit pas? T'as pas une pagie pour moi, un truc? Non? Non, t'as pas l'air décidé. Oh putain, on va lui rentrer dans la gueule. J'ai un tour, il me semble pourtant qu'il y avait dans les environs un bonhomme de neige ayant besoin d'un chasse-neige. Ah, il faudrait aller voir, vous pensez, les bonhommes de neige qui ont besoin de chapeaux là? Ça paraît bizarre que ce soit ça. Ah, quoique. Hop, 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 hop! Ça va être galère. Ah, peut-être là? Non, je sais pas. Je défonce pas mal de bonhommes de neige à toi. Peut-être que toi, je peux t'aider. Bonjour, bonjour. Je ne peux pas vous parler car en chasse-neige, vous voilà transformé. Juste... oh mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce chasse-neige? C'est pas possible. Faut peut-être que j'enlève tous les bonhommes de neige comme ça, hein. C'est une possibilité. Oula, attendez, attendez, parce que là, il a pas l'air très content lui. Allez hop là, on défonce ça. Mais ça ne change pas grand-chose, hein. Je peux pas ouvrir ça avec. Maintenant tu m'étonnes. Bon les amis, je vais être franc avec vous, je viens d'aller voir sur internet parce que je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire avec ce camion. Et en fait il se trouve que ce camion il sert à monter la pente qui me mène au donjon. Mais t'as une autre manière de monter la pente, c'est en le faisant avec le fruit qui me permet de m'accrocher. Donc c'était cool, mais en fait ça ne m'apportera rien en termes de pagie, hein. Par contre, on m'a dit la dernière fois dans les commentaires de la vidéo qu'il y avait un truc à faire ici. Et en fait, vous savez ici, je me rappelle, ça m'avait semblé bizarre. Et en fait je crois que c'est avec le sonar en fait. Regardez ça. C'est avec notre sonar. Alors, j'imagine que c'est une histoire de taille. Non, pas du tout. Ok. Ah! J'ai plus d'énergie. Oh non! C'est une blague. Bon, ok, donc on sait comment faire. En plus, on peut voir, voilà, là ça vient de me montrer, regardez. Si on analyse 2 secondes, ici ça nous montre. C'est parfait, regardez. Hop, hop. Voilà. Bon bah très bien. Du coup, ça va faire... hop, 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 et hop. Est-ce qu'on a une pagie? Oui, on a une pagie, magnifique. Donc merci à vous en tout cas qui m'aurait dit comment on fait ça. Et ça tombe très bien puisque j'ai raté un truc aussi la dernière fois dans le château. Donc on va quand même retourner là-bas pour récupérer ce qui me manque. Bien, donc on se retrouve à l'intérieur du château dans cette salle. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais débloqué un truc ici. D'ailleurs, je sais même pas où il est débloqué. MDR. Mais en gros, vous m'avez... ah, je crois que c'était là-dedans, non? Ouais, regardez. En fait, ici, vous me l'avez tous dit, effectivement, regardez, là, il y a un truc. Pas bête, hein? T'as vu ça? Il y avait un truc caché ici. Alors, oh, on est carrément dans une nouvelle zone, du coup. Bon, bah écoutez. Allons voir ça. Je ne sais pas. Oula. Aïe. Mais non, je voulais pas me... ah, bah attendez, il y a de l'eau là. C'est parfait. Ah non, par contre, c'est vrai. Le mec veut aller un peu vite, des fois. Des fois, le gars veut aller un peu trop vite. Attention à toi. Alors, bravo! Tu as déverrouillé un nouveau tonifiant, c'est vrai? Qu'est-ce que j'ai déverrouillé comme tonifiant? Bon, j'ai dû faire un truc sans même m'en apercevoir. En tout cas, on a ça là qu'il faudra déverrouiller. On va prendre ça.
et nous avons de l'eau. C'est très bien. Mais par contre, à côté, je ne sais pas du tout. Il va me falloir un truc pour... Vous pensez... Ah mais attendez, avec ça, ça devrait aller avec ça. Je vais le fondre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Attention. Et nous déverrouillons quelque chose. Je sens qu'on va vers un endroit sympa là. Je le sens bien. Alors, vas-y, toi tu dégages. Ici, je confirme qu'il n'y a rien. Par contre, il va me falloir ça. Ok. Par contre. Ouh. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Je sais pas comment c'est possible que ça passe, mais bon. Il a décidé, hein. Donc bon, écoutez, par contre, ah oui. Par contre, ça c'est un peu un fail de ma part. Ouais, ça fait deux fois. Mais c'est réussi. Vite, on passe. En espérant qu'il n'y ait plus de trucs à... Au pire. Je sais pas comment on a fait pour passer, mais on passe, on s'en fout. On passe, on passe, on passe. On cherche pas à comprendre, hein. On avance. Et du coup, nous arrivons dans une zone... Oh, ma foi. Oh, avec un four. Eh, je t'ai vu, hein. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bonjour. On reçoit pas beaucoup de visites dans le coin. Je m'appelle Bernie et je me charge du chauffage de ce palais. Vu comme ça gèle ici, tu n'es peut-être pas fait pour ce boulot. Ouais, il aime réduire les factures au minimum, mais il n'a jamais fait aussi froid. Hé hey Bernie, tu veux bien mettre un peu le chauffage? Impossible d'allumer une flamme avec cette température. J'ai les entrailles gelées. Tu veux qu'on y jette un œil? Régler les problèmes est un peu notre spécialité. D'accord, mais touche à rien, j'ai l'estomac très sensible. Genre, on va dans un four. Tout va très bien, tout va très bien. Écoutez, franchement, tout se passe à merveille. Oula, oula, il a pas l'air commode lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour monsieur, t'as pas l'air sympathique du tout. Qui ose entrer dans la tanière bien trop étroite du puissant bloc froid? Vous ne voyez pas que cette chaudière est occupée? Bonjour, on est juste les dentistes, on est là pour vérifier les molaires de... Non mais, ils vont encore me trouver un nouveau boulot, c'est pas possible. C'est pas possible, tout semble en ordre ici. Mensonge, vous êtes là pour me faire fondre et jeter mes restes humides dans la rue, pas vrai? Plus ou moins, oui. Dans ce cas, je vais vite calmer vos ardeurs. Oh mon dieu, un boss. Tiens. Tiens, tiens, on est en train de te calmer. Je sais pas ce qu'on doit faire, mais on est en train de le calmer plus ou moins. Ah, oui, alors. Pendant qu'il ouvre la bouche, voilà, je lui ai mis un truc. Est-ce que je peux faire fondre ça? Non. Je l'ai touché là encore. Regardez, je le touche, je le touche, je le touche. Ah, regardez ce que vous avez fait. Je fonds, parfait. Parfait, parfait, parfait. Par contre, on va mourir, mais on est bon. Vas-y, on continue, on va le faire fondre. Non, je suis mort. C'est pas grave, on va le tuer. Je vous jure, on va le tuer. Il commence à devenir Tandax, là. Ah, 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 ah. Vous commencez vraiment à me chauffer les glaçons. Oui, mais... Là, tu commences à devenir assez Tandax, quand même. On a du mal à te suivre. Il va me tirer dessus. Cachez-vous. Cachez-vous. Ok, tire. Vas-y. Encore un coup. Attention. Ça tire. Go. Butez-le. Arrêtez-moi ce glaçon qui vole. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attention. Ouh, c'était chaud. Et... Oh, j'ai pas réussi à le toucher, vite. Ah. Non, toujours pas. J'y ai cru. Allez, faut le terminer. Alors là, c'est... Ça commence à devenir galère, hein. Ça commence à devenir bien galère à le toucher. Non, il me reste plus qu'une barre de vie. J'ai plus droit à l'erreur. Ah, je savais que l'achat de ce buisson de baie de feu reviendrait me hanter. Ah, 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 je crois qu'on l'a eu. Je crois qu'on l'a eu. C'est bon. On le tient. Il est mort. Non, il est presque mort. Attention. C'est peut-être sa dernière attaque. Il faut qu'on le bute. Défoncez-moi ce truc. Arrêtez-moi ce glaçon. C'est pas possible. Non, attention, attention. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On est à la fin. Allez, tu vas mourir, oui. C'est pas possible, il est tout petit. Il est tout petit. Faut qu'il meure là. Non, mais regardez-moi ça. Allez. Il faut mourir à un moment, monsieur. Ah, on l'a eu. Oh non, je savais que j'aurais dû verrouiller la porte de la chaudière. Yeah. Une pagie? Non, pas une pagie, mais on va réparer l'autre. Et du coup, tout va aller pour le mieux. C'est ça? Quelle triste fin pour mon règne de terreur gelée de 48 heures. Gros règne, gros règne. Dites à ma famille que je meurs en faisant ce que j'aimais le plus, tirer des projectiles sur un étrange duo d'animaux. Ouais. Eh, hey, une pagie! Oh, vous avez trouvé tout un tas de pagies. Capital B va être fou de rage. Bien. Parfait ça. N'oubliez pas que beaucoup de mes amis se cachent dans des... Bon bah ta gueule, il a pas voulu. Oh, c'est bien mieux ainsi. Vous êtes des héros, vous avez mis le feu à mon petit ventre. Je vais de nouveau pouvoir chauffer le palais. Faites attention aux grilles au sol. La chaleur thermique pourrait s'avérer bien pratique.
Ah bah j'ai bien ma petite idée d'une autre pagie qu'on va pouvoir prendre dans la foulée. Alors les amis, moi la question que je me posais c'était par rapport à ça. Parce qu'on m'a expliqué la différence. Les glaçons qui sont fêlés comme ça, je peux les faire fondre. Mais par contre les glaçons qui sont je peux le bouger d'ailleurs carrément, c'est cool. Les glaçons qui sont bien compacts comme quand il y avait la créature, c'est avec des grenades, vous voyez. Donc là, en théorie, je dois pouvoir faire un truc avec ça, non? Je peux pas récupérer de la chaleur, je peux pas. Faudrait que j'arrive à le pousser en fait. Je sais pas comment. Ah. Vous pensez que je peux arriver à le pousser là-bas pour le faire fondre? Oh! Regardez, j'étais en train de voir justement. J'ai pu casser des. Ah, attendez. Genre, elle est bien fêlée aussi. Ça fait rien de spécial, elle. J'ai pu casser des blocs. Je comprends pas ce qu'il faut que je casse comme bloc. À mon avis, il faut que je l'amène là-bas. Ah, c'est ça, regardez. C'est un chemin. C'est bon, ok, d'accord. Moi j'étais concentré sur les trucs fêlés, mais non, il faut que je casse ça. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir l'amener au niveau de la vapeur, et on devrait être bon, comme ça. Au moins, voilà. Et on va faire ça, et ensuite, je pense qu'on va sortir du niveau pour changer un petit peu, et voir un petit peu ce qu'on a comme autre niveau pour la fin. Et attention, ta-da-da-dan. Une pagie? Le stress. Oui, une pagie. Nickel, ce qui nous en fait 10, bah parfait. Du coup on a 10 pagies en stock, je pense que c'est pas mal. On n'aura pas fait tout le niveau, mais j'ai envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de changer d'environnement parce que ça fait un moment qu'on est là. Du coup on va essayer de trouver le troisième niveau. Alors, moi il y avait un truc qui m'intriguait. La première fois qu'on était passé devant, c'était à ce niveau là, là-bas. Est-ce qu'en fait je ne peux pas passer ici? Parce que regardez, maintenant je peux aspirer des boulets de canon. Et du coup, est-ce que je peux pas déjà tirer là-dessus et surtout... Ah attendez, je me suis mis en... Ah je me suis mis en noir. Ah vous pensez que je suis lourd comme un boulet de canon et que du coup ils peuvent pas... Ah ça doit être ça. Je dois être lourd comme un boulet de canon et du coup ils peuvent pas me propulser. Il est là l'intérêt de ce pouvoir. Nice, 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 nice. Du coup, let's go. Probablement vers une nouvelle zone. Je suis où là? C'est un raccourci ou bien... Où est-ce que... Ah je suis revenu au début. Je suis revenu au premier niveau. Sauf que maintenant je peux activer des nouvelles choses. Parfait. Ah voilà. Tout s'arrange petit à petit finalement. Ah oui mais non. En fait je viens de débloquer un raccourci. C'est bien gentil. Mais genre moi ce que je veux c'est pas le raccourci. Moi ce que je veux c'est un nouveau chemin. En fait je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de pagies que je pourrais récupérer. Mais il va falloir des boulets de canon ou... Ah de l'eau, attends. Est-ce que genre, je peux pas attraper de l'eau comme ça? Évidemment non, par contre, il faudrait vraiment que je trouve une fleur d'eau. Ce serait vraiment bien. Mais il y a plein de petits trucs qui vont se débloquer petit à petit dans la zone principale. Alors, peut-être qu'en fait, la suite serait... Bah déjà, là en bas, on peut descendre. Hein. C'est vrai que j'étais pas forcément allé voir, mais c'est clair qu'on peut descendre. Alors, jusqu'où je peux sauter là? Bah non, non, on y a cru. Doucement toi, doucement. Et on se calme tout de suite. Donc je sais pas s'il y a des choses vraiment intéressantes ici. Sinon ça doit se trouver en fait juste après hein, je pense. C'est vrai que j'étais pas allé voir plus loin dans la zone. Et si c'est pas là, eh bien je ne sais pas, vous me direz. On va voir ça tout de suite. Alors, après, voilà, après ça continue. J'ai pas rêvé, aïe. Et après ça continue, bel et bien. Donc ça nous mène où ici? Ah, vous ne savez... Oh attendez, vous ne savez que votre stupidité a augmenté de 80%. J'adore les stats. Parfait, si t'adores les stats. Toi, madame, réfrigérateur, est-ce que tu me donnes un truc? Alors, le nouveau tonifiant que j'ai, c'est collectionneur collecte des plumes avec croche-langue de Yuka. Oh, bof. Honnêtement, bof. Bon, ça, je peux pas l'ouvrir. Je trouve pas ça terrible. Je me dis que mon truc actuel est quand même mieux. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse... Non, je peux pas monter ça? Quoi? Quoi? Mais comment? Oh mais non! Ah si, 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 je l'ai, je l'ai. Je pense l'avoir. Attendez, regardez. J'ai vu tout à l'heure. Yes! C'est ça. Prends-le! Aspire-le! Mais. C'est bon, je l'ai. Vite! On se dépêche et on remonte. Alors, verdict. Ça passe! Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, bah une pagie! Bon, bah c'était pas pour un nouveau monde, mais c'est quand même pour une pagie. On va pas dire non les amis. Bah du coup je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas exactement où est-ce qu'il faut que j'aille. Je me renseignerai pour la prochaine fois. J'aurais bien aimé tomber dans le nouveau monde. Mais bon on verra ça la prochaine fois. Au passage. Ah bah attendez, 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 attendez. MDR. Ouais on va la voir. Et voilà. Nice. Je prends. Bon bah voilà, comme je disais, à défaut d'avoir eu le nouveau monde, on aurait eu quand même plein de pagies aujourd'hui. Donc c'est cool. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Et puis on essaiera d'aller dans le prochain monde dès le début de l'épisode prochain. C'était Sifano, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit partage.
À très vite, bye.